Hello tout le monde, on se retrouve sur Pokémon Épée et Bouclier pour vous montrer comment récupérer un Zacian Shiny ou bien un Zamazenta chromatique. Depuis aujourd'hui, donc le 22 octobre, Micromania lance une distribution où l'on pourra récupérer un des deux légendaires de ces versions. Cela a lieu directement sur le site de Micromania et il suffira tout simplement d'avoir un compte chez eux. C'est totalement gratuit et une fois qu'on est connecté, on n'a plus qu'à cliquer sur recevoir le code. Alors avant toute chose, il faut savoir que le légendaire que l'on recevra dépendra de la version que vous avez. Pour tous ceux qui ont la version bouclier, vous obtiendrez Zacian, et pour tous ceux qui possèdent la version épée, c'est Zamazenta que l'on pourra récupérer. Si jamais vous le souhaitez, vous pouvez toujours prendre les deux codes et les offrir à quelqu'un qui possède l'autre version pour ensuite vous échanger les Pokémon chromatiques dans le jeu. Dans tous les cas, je vous mets les deux liens dans la barre d'infos. Par contre, Micromania a bien précisé que l'offre est limitée selon les codes disponibles, et donc je vous recommande vivement de faire votre inscription dès maintenant. Vous avez jusqu'au 18 novembre pour faire la demande, et le code sera valable jusqu'au 12 février 2022. Du coup, une fois qu'on a terminé toute la procédure, il faudra environ attendre 3 ou 4 jours avant de recevoir le mail qui contient le code. Et donc, lorsqu'on a notre code, il ne nous restera plus qu'à aller dans le cadeau mystère, recevoir un cadeau mystère, via un code ou un mot de passe, et là, il n'y a plus qu'à le saisir. Du coup, pour la version Pokémon Épée, on recevra un Zamazenta chromatique, il sera au niveau 100, son talent sera Égide Inflexible, et il aura comme attaque Close Combat, Garde Large, Tête de Fer et Mur de Fer. Quant à sa nature, elle sera aléatoire, et il tiendra comme objet le bouclier rouillé. Et pour tous ceux qui ont Pokémon bouclier, on obtiendra Zacian Shiny qui sera aussi au niveau 100, avec un talent Lame indomptable, et comme attaque il aura Tête de Fer, Câlinerie, Danse Lame et Lame Sainte. Comme pour Zamazenta, sa nature sera aléatoire, et il tiendra la fameuse épée rouillée. Et voilà comment obtenir vos deux légendaires chromatiques. Du coup c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a aidé comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, tous mes liens sont dans la barre d'infos, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces, bye bye!